Dan trop trop, Dan trop trop, trop trop rigolo. Dan trop trop, Dan trop trop, trop trop rigolo. Dan trop trop, c'est l'ami qu'il nous faut, trop trop rigolo. Aujourd'hui, je ne peux pas aller dehors. Mais je m'ennuie un peu, moi. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Jouer de la musique ? Non, pas aujourd'hui. Construire une maison ? Non, j'en ai déjà fait une hier. Regarder un livre ? Non, je n'ai pas envie de lire pour l'instant. J'ai envie... Je sais ! J'ai envie de faire de la peinture ! Voilà mes crayons de couleur, mon pinceau, ma boîte de peinture. Ah, le voilà, je l'ai trouvé. Je vais chercher un petit peu d'eau pour mettre dans mon pot. Bon, qu'est-ce que je vais dessiner? Pourquoi pas un bonhomme? D'abord la tête. Parfait. Maintenant... les yeux. Oh, les beaux yeux. N'oublions pas les oreilles. Elles sont un peu grandes. Et voilà le nez. Oh là là, il est trop long ce nez. Mon bonhomme est un peu raté. Mais ça fait un magnifique éléphant. Oups, oh là là, quelle grosse tache. J'ai oublié de mettre mon tablier. Je sais, je vais nettoyer tout seul. Frotte, frotte et disparaît, petite tache. Elle est de plus en plus grosse. Je crois qu'elle ne veut pas partir. Qu'est-ce que je vais faire? Mais elle n'est pas si vilaine, cette tache. C'est même assez joli d'avoir de la couleur sur son t-shirt. Elle ressemble au soleil. Ou plutôt à un tigre. J'ai une idée. Je vais la décorer. J'agrandis un peu les oreilles. Je place les yeux. Je lui mets des rayures et je n'oublie pas le nez, ni les moustaches, ni les dents. Waouh ! Je n'ai jamais réussi un si beau dessin. Je vais le montrer à papa et à maman, ils vont être étonnés. Papa, 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 tu as vu mon t-shirt ? Oh, superbe ce tigre Trotro. Tu as dessiné sur ton t-shirt Trotro? Oui, j'ai décoré ma tache en tigre. Oui, c'est vrai qu'il est beau. Et si toi, maman, tu faisais une tache, je la peindrais en jolie girafe. Aujourd'hui, je suis musicien. Ah. Écoutez bien, les amis, je vais jouer de l'accordéon. Do, mi, sol. Ouais, superbe. Ah, c'est facile. Je plie, je déplie, je plie, je déplie. Bling, bling. Ah, c'est rigolo cette musique. Bling, 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 bling. Ne bougez pas. Ce spectacle n'est pas fini. Taratata ! La trompette, j'adore ça. Il faut souffler dedans très fort. Encore plus fort. Ça vous plaît, les amis? Merci, merci. Ah, c'est fatigant de jouer.
mais j'ai encore envie de faire de la musique. Vous n'avez pas une idée? Mais oui! Quelle bonne idée! Merci, Nounours! Ah, cette fois-ci, je vais faire encore plus de bruit. Ah, ah, oh, quelle belle casserole! Ça va faire un bon tambour boum badaboum. Boum badaboum, boum badaboum, boum badaboum, boum badaboum, boum badaboum. Hein? Boum badaboum, boum, boum badaboum. Mais trop trop! Oh! Oh. Boum badaboum boum. Je joue bien, dit maman. Tu as raison. Il me manque quelque chose. Des cuillères. C'est comme des baguettes. Boum. Boum badaboum. Boum badaboum boum badaboum boum. Boum badaboum, boum badaboum, boum badaboum, boum badaboum. Bravo, Trotro, tu joues très bien du tambour. Boum badaboum, boum badaboum. Elle fait du bruit, la musique de Trotro. Je suis grand. Je fais les courses tout seul. J'aime bien faire les courses. J'adore choisir moi-même. Je sais tout ce qu'il faut pour la maison. Et ça, il en faut. Celui-là, hop, dans le chariot. Et celui-là, hop, pour Trotro. Un paquet bleu et un paquet rouge. Celui-là, je le prends pour maman. Et celui-là, pour papa. Des fois, c'est trop haut. Il me faut mon papa. Papa! Papa! Mais... Papa! Je suis là, Trotro! Trotro! Oh! Je ne te voyais plus. Je t'avais dit de rester à côté de moi, Trotro. Maintenant, on ne se quitte plus. J'aime bien aussi faire les courses avec papa. Oh là là, Trotro! Des gâteaux, des brioches, des bonbons. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Tu ne crois pas que c'était un peu trop, mon Trotro? C'est tout ce qu'il faut prendre pour Trotro. Oh.
Et voici, mesdames et messieurs, l'incroyable Nounours qui va faire un numéro de trampoline. Doing, doing, doing. Bravo, 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 Nounours. C'est l'heure de dormir, Trotro. Attends, maman. Je lis une histoire à Nounours avant. Oui, Trotro. Nounours ne veut pas s'endormir si on ne lui lit pas une histoire. Tu sais lire, Trotro? Bien sûr que je sais lire. Un nounours, je sais bien lire. Pour lire, on prend une grosse voix comme ça. Là-bas, très loin, au milieu de l'Afrique. Je ne sais pas lire les mots en vrai, mais l'histoire, je la connais. Je sais tout ce qui se passe dedans. Très loin, au milieu de l'Afrique, un zèbre rencontre une girafe. Voilà, l'histoire est terminée. Tu ne dors pas, Nounours? Ça veut dire que l'histoire t'a plu. Je t'ai dit que c'était l'heure de dormir, Trotro. Tu veux que je te lise une histoire avant d'éteindre? Pas cette histoire, on l'a déjà lue. Il y a bien longtemps de cela, à l'époque des fées et des sorcières. Si Nounours est endormi, c'est parce qu'il n'aime pas cette histoire. Tu la lis moins bien que moi, maman. C'est vrai, tu lis très bien, mon fiston. Bonne nuit, Trotro. Bonne nuit, Nounours. Petit monstre. Rar, rar, rar. Oh. Rar. Bouh. C'est moi le plus fort des petits monstres. J'ai une idée. Voilà, mon joli château. Bouh! Tu m'as fait peur, Trotro. C'est moi, le petit monstre. En plus, tu as cassé mon château. Tu es méchant. C'est normal. Je suis le plus méchant des petits monstres. Je connais un vilain petit monstre qui n'aura pas de gâteau ce soir si sa maman n'a plus d'œufs. Les monstres ne mangent pas de gâteau. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, le petit monstre. Oh, oh, si je t'attrape, petit monstre. C'est rigolo
d'être un petit monstre. Tout le monde a peur de moi. Grave, grave. Bouh. À qui je vais faire peur maintenant? Ah! Une araignée! Au secours! Maman! Maman! Au secours! Mais qu'est-ce qui se passe, Trotro? De quoi tu peurs comme ça? Dans le jardin, il y a une grosse araignée! Mon petit Trotro, tu n'as rien à craindre. Les petites bêtes ne mangent pas les petits monstres. Oui, eh bien... moi, je veux plus être un petit monstre. Comme ça, je pourrais manger du gâteau. Il est beau, mon cartable. 10, 7, 8. Lily, Nana, regardez, j'ai un cartable neuf comme les grands. Ah oui, il est beau, ton cartable. Tu veux jouer avec nous? On fait des concours de saut. Lily a tenu 8 tours et moi 6. Perdu, trop. Mais non, c'est pas moi, c'est mon cartable. Venez, on va jouer dans le sable. Ça, on dirait que c'est la colline. Et voilà le château. Trop, passe l'étoile derrière toi pour décorer la tour. Trop. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu pourrais faire attention avec ton cartable. Bon, ça ne fait rien. Allons jouer au toboggan. Trop, tu vas à la vitesse d'un escargot. C'est parce que lui aussi a une petite maison sur le dos avec son cartable de grand. Yeah. Et maintenant, tu ressembles à une tortue. Aidez-moi, je suis coincée. Ah. C'est à cause du cartable. Mais trop, enlève-le pour jouer. Non. Moi, je veux garder mon beau cartable. Nana, je peux monter à côté de toi? Ah non, trop. Il n'y a pas assez de place pour toi et ton cartable de grand. Oh. On joue à Chabizou. Tap, c'est toi le chat. Nana, attention, c'est trop tard, Chabizou. On est là, trop. Il est beau, mon cartable, mais il me gêne pour jouer. Attention! Voilà le Chabizou qui arrive! J'ai perdu Nounours. Mais où est-il? Ah! Dans ce buisson, peut-être. Nounours, tu es là?
Où te caches-tu? Mais où peut bien être Nounours? Maman, j'ai perdu Nounours. Il a disparu. Tu as bien cherché dans toute la maison? Oui, partout. Cherche un endroit auquel tu n'as pas encore pensé, Trotro. Bonne idée! Peut-être que Nounours se cache sous le fauteuil de papa pour me faire une farce. Nounours n'est pas là. Peut-être que Nounours prend son bain. Nounours n'est pas là non plus. Peut-être que Nounours a faim. Qu'est-ce que tu cherches là-dedans, Trotro? Eh bien, je cherche Nounours. Mais il ne peut pas être là, voyons. Ferme tout de suite la porte. Mais où alors? Nounours est perdu. Pour toujours. Nounours est forcément quelque part, il suffit de réfléchir. Bois ton lait, Trotro, cela te fera du bien. Oh. Quel jour on est aujourd'hui, maman? Dimanche, Trotro, pourquoi? Ah, je l'ai trouvé! Ouais, youpi! Youpi! Bravo, Trotro! Où était-il caché? Nounours était dans ton lit, voyons, maman. Tu sais bien que le dimanche, Nounours aime bien faire la grasse matinée dans le lit de papa et maman. Mais oui, bien sûr! Mon petit Nounours, je t'ai retrouvé! Aujourd'hui, je me fais tout beau car Nana vient jouer avec moi. Trotro, Nana est arrivée. Bonjour Nana. Bonjour Trotro. Tu veux voir mes jouets? Tu as vu cette trompette? Ça, c'est mon ballon. Et ça, mon masque de tigre. Je préfère mes jouets à moi. Je vais construire un beau château pour plaire à Nana. Tu veux que je te construise un château, Nana? Oui, si tu veux. Ça sera notre château, d'accord? Il est tout cassé, ton château, Trotro. Il ne reste plus qu'à mettre un toit. Tu es trop maladroit, Trotro. Je m'en vais. Si c'est comme ça, je vais faire une petite maison rien que pour moi.
mon sac à dos. Où es-tu, Trotro? Oh! Waouh! Quelle jolie petite maison! Elle te plaît? Beaucoup! Je peux venir dedans? Si tu veux. C'est notre maison à tous les deux. Elle est belle, notre maison, Trotro! Chaud. Oh, les fleurs, qu'est-ce qu'elles ont? Regarde, nounours, elles ont l'air fatiguées. Elles ne sentent plus très bon. Oh là là, il fait trop chaud. Quand il fait chaud. Les fleurs, elles aussi, elles ont besoin d'eau. Je vais leur donner à boire. Oh. Oh. C'est lourd. Oh. C'est pas le sable qui a soif, ce sont les fleurs. Avec le tuyau d'arrosage, ce sera plus facile. Tiens, nounours, tu vas m'aider. Hop. Et... Oh. Ah. Oh. Ah. Toi, tu as bu, nounours, mais pas les fleurs. Il faut beaucoup de seaux d'eau. Vous êtes trop nombreuses, je n'y arriverai jamais. Oh. Hein? Oh! Je crois qu'il va pleuvoir. Oui! 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 Il pleut! De l'eau! De l'eau! Regarde, nounours! Les fleurs sont sauvées! Merci, la pluie qui nous rafraîchit! Merci, madame la pluie! Mais il est crevé. Un petit hérisson. Hein? Oh, la boule de piquant a disparu. Bonjour, tu ne veux plus jouer? Tant pis, je m'en vais. Oh.
ne veux plus jouer avec moi? Bonjour, Trotro. Tu as vu mon ballon comme il est beau? Chut! Mets-toi là, à côté de moi. Mais qu'est-ce que tu fais derrière cet arbre? Je joue à cache-cache avec mon ami. Regarde. Ah! Un petit hérisson, il est mignon. Oh, ballon. Le pauvre. Il s'est caché. Mon ballon a dû lui faire peur. J'ai une idée. Suis-moi. On va offrir un cadeau au hérisson pour lui montrer qu'on l'aime bien. Regarde, ça doit être son papa. Ou sa maman. Oh, c'est bon. Aïe. Oh. Ouf. Dis Lily, tu me prêtes une de tes moufles? Tiens, Trotro. Comme ça, on peut les caresser, ça ne pique plus. Et voilà, 5 gâteaux. Maintenant, je vais décorer mes gâteaux. Lily, regarde tout ce que j'ai ramassé. Oh oui. On va bien s'amuser. Bonjour Madame la fleuriste, je voudrais acheter ce joli bouquet. Il coûte un gâteau, madame. Ce n'est pas cher. Je le prends. Merci. Au revoir, Nana. Bonjour, madame la pâtissière. Miam, miam, vous avez de beaux gâteaux. Oh. Excuse-moi, Nana, je ne l'ai pas fait exprès. Vous jouez à la marchande? On peut jouer aussi? Oui, vous voulez être quoi comme marchand? J'ai trouvé quel marchand je vais être. Attendez. Moi, je ne sais pas quoi faire. Je peux faire des gâteaux? Oh non, trouve autre chose. C'est moi la pâtissière. Approchez, approchez, oyez, oyez. Venez tous jouer au grand jeu du badabadaboum. Une partie pour un bouquet ou un gâteau. Moi, je veux faire une partie. Je te donne un bouquet. D'accord, tiens. Oui, oui. Attends, à moi, Bobo. Je te donne un gâteau pour jouer une partie. D'accord, tiens. Je vais chercher des gâteaux pour jouer encore. Oh, moi aussi, je vais te payer en bouquet. Je sais quoi faire. Ne bougez surtout pas. Où est-ce qu'il va? À moi, ce sera livreur. Pour vos livraisons rapides, mesdames. Voici Trotro, livreur express.
maintenant une roulade en arrière. Oui. Bonjour Boubou, quel beau ballon. C'est mon cadeau d'anniversaire. Tu veux jouer avec moi, Trotro? Oh oui, bien sûr. Tiens. Ah, aïe. Oh. Ce n'est pas un ballon à rattraper avec la tête, Trotro. Non, c'est un ballon à renvoyer avec le pied. Hé, hey, mon ballon. Le premier qui l'attrape a gagné. Ah. Où est mon ballon? Il est perdu? Il ne doit pas être bien loin. J'ai une idée! On va faire une chasse au trésor! Et le trésor, c'est ton ballon! Le premier qui le trouve a gagné. Toi, tu cherches dans le potager et moi, dans le massif de fleurs. D'accord, Trotro. Il n'est pas là. Je ne le vois pas. Qu'est-ce que c'est? Trotro, viens voir! Tu as trouvé le ballon? Non, mais regarde! Oh, je n'en ai jamais vu un si beau! J'ai trouvé des billes. Oh, il y en a encore une autre. Oh, Trotro, j'ai trouvé des fraises. Elles sont bonnes. On les cueille toutes. Mais qu'est-ce qui brille comme ça? Oh! Un joli bracelet avec des perles de toutes les couleurs. Je le donnerai à Nana. Regarde, Trotro, j'ai trouvé des cailloux avec des petits dessins dessus. C'est rigolo! Ce sont des morceaux d'assiette. On va ranger tout notre trésor dans ce seau. Oh! J'ai retrouvé ton ballon, Boubou. Mon ballon! Il était bien caché. Nous, on adore faire la chasse au trésor. Trottinette? Ouais! Elle est belle! Oui, et avec elle, c'est moi qui vais le plus vite! Ce n'est pas vrai, une trottinette, ça va moins vite qu'un vélo! Non! Tu as vu comment je vous ai doublé? C'est parce qu'on n'allait pas à notre maximum! On fait la course si tu veux! Le premier qui fait le tour du jardin a gagné! D'accord! Boubou, tu es l'arbitre! Tu vas voir! 3, 2, 1, partez! Je vais faire une petite pause. C'est trop facile de battre Lily. Oh, la jolie fleur. Allez, c'est reparti. Ah. Oh, Lily est loin. J'ai le temps de faire un pâté de sable. Vite, je dois repasser devant. J'ai été si vite que j'ai le temps de faire un tour de toboggan.
Youpi! Lily est encore loin. Je vais refaire un tour. Yahoo! Ha Encore une fois. Oh non! J'avais oublié Lily. Vite, il faut que je la rattrape avant l'arrivée. C'est Lily qui a gagné. Non, ce n'est pas juste. J'étais en premier et puis je me suis arrêtée et c'est moi qui suis arrivée en premier, donc c'est moi qui ai gagné. C'est vrai, c'est elle qui a gagné trop. Oh non, on refait la course, Lily? Non, ce n'est pas ma faute si tu es mauvais joueur, trop. Venez les enfants, il y a du gâteau au chocolat. Le premier arrivé a la plus grosse part. Et cette fois-ci, je ne m'arrêterai pas. La table, mon Trotro. Comme elle est grande. Oh! Et c'est très beau. Vite, papa, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Trotro, tu es invité à mon goûter d'anniversaire. Et c'est signé Nana. Oui! Tu en as de la chance, Trotro. Je suis invité par Nana. Maman, maman, je suis invité à l'anniversaire de Nana. Oui, j'ai entendu, mon Trotro. Vite, il faut un cadeau. Là-dedans, je vais trouver un beau cadeau. Un camion, non. De la peinture, non. Un petit seau, non. Ah, ça. Ça, non. Oh, ça c'est bien. Mon doudou d'avant nounours. Regarde maman, j'ai trouvé mon cadeau d'anniversaire pour Nana. Trop, tu ne peux pas offrir ce vieux doudou. Mais maman, c'est un bon doudou gentil. Oui, mon Trotro, mais Nana a déjà son doudou à elle. Eh bien, Trotro, qu'est-ce qui ne va pas? Maman ne veut pas que j'offre ce doudou à Nana. Maman n'a peut-être pas tort. Tu sais, Trotro, les filles aiment beaucoup les fleurs. Tu peux même faire un collier avec des fleurs. Je vais te montrer comment. Alors voilà. Tu cueilles plein de pâquerettes avec une tige bien longue. Merci, Trotro. Maintenant, on va les attacher les unes à la suite des autres pour faire un beau collier. Trotro, tu es prêt? Ça va comme ça, maman? Oh, tu es un très beau Trotro. Tiens, voilà mon cadeau pour Nana. Merci, maman. Tiens, bon anniversaire, Nana. Oh, merci. Et ça, c'est moi qui l'ai fait pour toi. C'est très mignon, j'adore les petites fleurs. Je suis très contente de ton cadeau, merci Trotro. Oh. Viens, on va jouer, il y a déjà Lily. Nana m'a fait un bisou. Viens. Bonjour, monsieur le facteur. C'est un paquet pour Trotro. Un paquet pour moi? Vite, donne, maman. Ça vient de mamie. Je me demande ce que c'est. Oh, maman, un
Mamie est très forte, elle a deviné. Allez, vole, petit cerf-volant! Eh bien, pourquoi tu ne voles pas? Papa, mon cerf-volant, il ne veut pas voler. Tu as essayé de le lancer face au vent? Parce qu'il faut du vent pour faire voler un cerf-volant. Mais oui, c'est indispensable. Hein? Viens, je vais te montrer. Vas-y, cours, Trotro, cours! Tire sur la ficelle! Oh! Oui! Oui, mon cerf-volant! Si tu tires un peu, il s'agite. Oh! Mais si tu vois qu'il va retomber, tu cours pour le faire rester en l'air. Tu as compris? Vite, cours! Et surtout, ne lâche pas la ficelle! Par ici et par là! Oh, Trotro, tu as un beau cerf-volant! Oui, tu as vu? C'est mamie qui me l'a envoyé! Oh, il est tombé! Ça n'est pas grave. Tiens, Lily, tu cours face au vent. Et quand je te le dis, tu le lâches. Cours, Lily. Lâche-le. Oh. Oui, oui. Bravo, le petit cerf-volant. Oh. Oh. C'est trop. Je vais chercher papa. Vite, vite, papa. Hein? Bravo, papa. Bravo, papa. Merci, papa. Tu m'aides à le faire voler? Il n'y a plus de vent, Trotro. En attendant, rentre jouer à la maison avec Lily. Oui, ne quitte pas. Je te passe Trotro. Tiens, Trotro, c'est mamie pour toi. Allô, mamie? Merci pour mon cerf-volant, il est très beau. Mais la prochaine fois, tu peux me l'envoyer avec un peu plus de vent? C'est quoi, papa? J'ai rangé le grenier, tout ça c'est à jeter. Je vois quelque chose. Oh, mon canard! Pff, je jouais avec quand j'étais petit. Mais tu es tout sale, il faut te laver. Tu es un beau canard maintenant. Viens, on va jouer dehors. Et roule, roule le coin-coin. Oh, j'ai une idée. Coin-coin. Oh. Coin-coin, coin-coin. Tiens, tiens, mais qu'est-ce qu'il y a dans le jardin? Maman est bien attrapée. Elle croit que c'est un vrai canard. On dirait qu'il y a un petit canard par ici. J'ai trouvé ce coquin de coin-coin. Coin-coin-coin. Coin-coin-coin-coin. Oh, ça fait un château rigolo comme ça. Coin-coin-coin-coin-coin-coin. Coin-coin-coin. Coin-coin. Tu es un canard, Trotro? Coin-coin. Tu ne sais plus parler? Coin-coin. Et moi, je fais... Coin, coin. On va faire un orchestre, écoutez. D'accord. Thank you.
bien fort. Hé, l'oiseau, il chante notre chanson. Ouais, bravo l'oiseau. Oui, oui, bravo. Maintenant, il faut saluer le public. C'était l'orchestre, les amis de Trotro.